très important. Il nous reste deux matchs avant la trêve. Donc je pense que, on va pas se mentir, je pense qu'il faut gagner les deux matchs pour si on veut rester cinquième. Donc je pense que ça va passer par le match de Angers et le match de Amiens aussi. Je regarde le match de Angers, c'est une bonne équipe qui est pas en réussite, mais qui est bonne à l'extérieur si je regarde bien. Donc ça à nous à domicile, c'est à nous de faire en sorte de remporter ce match-là. Pour moi, c'est un accident. Avec l'équipe, on est soudés, on est tous ensemble. On va essayer de rebondir ce week-end pour prouver aux gens que c'était un accident en fait. Mais je pense qu'on a les capacités, on a un bon groupe. Et je pense que ça pourra le faire ce week-end. Bah, il me parle, il me donne des conseils. Après, je le prends au maximum parce que c'est un grand coach. Il est passé par des grands clubs. Donc tout ce qu'il me dit est bon à prendre. Bah, moi, je prends ce qu'il me donne. S'il me dit d'être sur le banc et de rentrer et de faire le maximum, je ferai toujours le maximum pour l'équipe. C'est l'équipe qui prime. Donc je donnerai toujours le maximum qu'il me fasse rentrer 5 minutes, 10 minutes ou que je commence le match. C'est vrai qu'il est pointilleux. Il est pointilleux surtout sur certains détails défensifs. Par exemple, un mètre, ça peut... Sur un mètre, tu peux prendre un but. Alors que si le mètre, tu l'as fait avant, bah, tu prends pas le but. Et c'est sur ça qu'il m'a fait progresser. Moi, j'ai pas d'explication. Je pensais peut-être un relâchement de notre part ou autre. C'est à nous de... On en est conscient puisqu'on en a parlé. Et c'est à nous de rectifier ça. Comment ça peut se rectifier, justement? En restant plus concentré. Parce qu'on sait qu'on prend certains buts en 30 dernières minutes. Ça veut dire, quand on sait peut-être qu'il reste 30 minutes, bah, c'est à nous de rester concentré jusqu'à la fin du match. Je ne connaissais pas. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu, c'était en CFA. J'ai trouvé très fort. Je me suis même demandé qu'est-ce qu'il faisait en CFA parce que je ne le connaissais pas du tout. Et je ne suis pas étonné qu'il soit avec nous. Parce que depuis le début de l'année, ce qu'il faisait en CFA, c'était très bon. Donc là, je pense que c'est sur la continuité de ce qu'il faisait en CFA. Donc, je suis très content pour lui et j'espère qu'il va nous marquer plein de buts. Il saute haut. Il saute haut. Il a une bonne qualité de frappe. Il marque des buts. Après, même s'il en a raté quelques-uns. Mais je pense qu'avec de la confiance, je pense qu'il peut nous marquer, il peut nous faire beaucoup de bien cette année.